Ville Internet est une association qui rassemble 450 maires membres de collectivités qui veulent avancer dans l'innovation territoriale par le numérique. Elle rassemble également 2000 autres collectivités qui viennent contribuer à son travail d'échange d'expériences pour savoir comment les autres utilisent le numérique et ce qu'on pourrait faire dans son propre territoire, sachant que chaque territoire, chaque village, chaque ville est un territoire différent et qui doit créer ses propres services numériques. Être présent à Ruralitique, pour nous, c'est donner un lieu de rendez-vous à nos villages membres de l'association. C'est permettre aussi de rencontrer d'autres villages, d'autres territoires et de pratiquer en direct cet échange d'expérience tout en ayant une influence, j'espère, politique et positive sur les responsabilités aujourd'hui que les citoyens ont par rapport à la vie locale et à sa vitalité locale pour utiliser le numérique, chacun d'entre nous finalement, hein, et puis avec l'effort et l'énergie et la volonté politique des maires ruraux. Les éléments importants pour moi sont positifs parce qu'on pourrait aussi voir les aspects difficultés, revitalisation, etc. Moi je préfère parler des aspects positifs. Les aspects positifs, c'est que ça fait 20 ans que les villages et que les petites villes dans les territoires ruraux inventent des services numériques spécifiques aux besoins qu'ont leurs habitants et inventent aussi des modèles de production du numérique et des services numériques qui ne font pas toujours appel au marché, qui ne sont pas toujours dépendantes d'acteurs privés. Et je trouve que c'est sain que dans des services publics, notamment accès aux droits et dans un objectif d'égalité des territoires, je trouve que c'est sain que les services soient produits en coproduction avec les habitants et le territoire rural ne peut pas faire autrement par sa structure. Et je trouve que c'est très positif, donc c'est une qualité.